Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment lire la lettre W. D'abord, je te mets en haut à droite les quatre écritures de la lettre. Voici une image. Que vois-tu dessus? On y voit un wagon avec des kiwis. Ces deux mots contiennent la lettre W. Mais dans le mot wagon, on voit le W. Et on entend vv pour wagon. Dans kiwi, par contre, on voit aussi le w, mais on entend ou kiwi. La lettre w, il faut la lire soit vv, soit ou. Beaucoup de mots qui contiennent un w sont soit des mots qu'on utilise assez peu, soit des mots qui viennent de l'anglais. Donc d'abord, nous allons nous entraîner à les lire. Et ensuite, je te mettrai des images où je t'expliquerai ce qu'ils veulent dire. Allez, c'est parti. Un sandwich. La Wi-Fi. Un chewing-gum. William. Un watt. Hawaï. Un tramway. Le web. Un western. Et maintenant, les explications. Un sandwich. Tu sais ce que c'est. La Wi-Fi. Je te mets le petit symbole en dessous, tu as dû en entendre parler aussi. C'est quand on veut avoir Internet sans être branché à un câble. On dit aussi souvent le Wi-Fi. Un chewing-gum, ça tu connais. William, c'est un prénom. Un watt, c'est une unité de mesure comme le centimètre, mais ça va servir à mesurer la puissance. Hawaï, c'est une île qui est très loin d'ici. Un tramway. C'est comme un petit métro, mais en plein air. Le web, c'est la même chose qu'Internet, c'est un mot anglais. Et un western, ce sont les films avec les Indiens et les cow-boys. Toi d'essayer de lire maintenant, je t'invite à mettre pause pour essayer de lire ces cinq mots. Ensuite, remets la vidéo et je te les lirai et te les expliquerai. C'est mon tour. Une interview, le bowling, Hollywood, un wagonnet, un wombat. Une interview, c'est quand un journaliste va aller poser des questions à quelqu'un. Le bowling, c'est un jeu où on lance une boule pour renverser les quilles. Hollywood est un endroit aux États-Unis où on fait beaucoup de films. Un wagonnet, c'est un petit wagon. Et un wombat, c'est un animal. Maintenant, tu peux t'entraîner avec la page 116 de ton livre. Ne t'inquiète pas si tu n'arrives pas à lire tous ces mots facilement. Ce sont des mots qui sont difficiles, nous nous entraînerons ensemble.